El Shaddai El Dumonet inscrit un super but face à son ancienne équipe Stade de Reds pour l'équipe lyonnaise. Alors, madame, messieurs, c'est inexplicable, incroyable. Donc, je suis capable de dire si un bagage exceptionnel aujourd'hui. El Shaddai El Dumonet inscrit un super but. Alors, je suis capable de comprendre lorsque vous inscrit un but face à ancienne équipe ou comment ça y est. Parfois, si l'équipe là te fait mal, là où t'es quitté, ou à content, s'il pas te faire mal tout, laisse ça au capable pas célébrer gol là. Alors, madame, messieurs, moun ka parle à c'est chacun Joseph. Déjà, moi, vous bienvenue pour une nouvelle sortie ça qui pas trop longue, mais entre temps, bral capable faire vivre. Comment et Golan est bien capable de dire comment El Shaddai El Dumonet inscrit bien avec toute aisance. Mais avant d'aller plus loin, maintenant s'il vous plaît abonnez avec page là si vous voulez faire ça, activez cloche notification, mettez le sous tout pour pas rater aucune vidéo. Quittez un like en bas vidéo ça, ou mettez ça au pensée dans l'espace commentaire, là vraiment important, et partagez vidéo ça dans notre groupe et dans notre page pour tout haïtien capable de voir Gol El Shaddai El Dumonet inscrit face à son ancienne équipe Stade de Reims dans pays la France. Madame, messieurs, très rapide, on a le capable, bien, super but, magnifique, incroyable, que El Shaddai El Dumonet, international haïtienne, inscrit. Très rapide, madame, messieurs, on a le capable de suivre comment ça y est. Mais celle, ça m'a demandé, quittez un commentaire pour El Shaddai El Dumonet. Chaque intervention, elle est fébrile. The run. 3 minutes minimum offertes aux Lyonnaises. Bon, pourquoi pas aller mettre ce troisième but avec Diani. La vitesse de Diani qui va centrer. Le service en or de Diani et le but de l'ex-rémoise Melchie Dumornay. Une joie intérieure comme si elle s'excusait de marquer. Et c'est un but de plus. Quel travail de Kadi Diani Dumornay récompensé de 46 minutes de très très haut niveau. Voilà, le très bon travail des Lyonnaises sur les côtés. Tout à l'heure, c'était Selma Bacha pour Eugénie Le Sommer. Là, c'est Khadija Toudiani qui va éliminer trop facilement Mathilde Kak. Alors, elles sont fatiguées, elles ont beaucoup défendu. Derrière, on n'est plus au contact. On n'est pas là pour couvrir. Le petit coup d'œil de Diani, sa qualité de passe. Melchie Dumornay qui vient bien fermer de son deuxième poteau. Mathilde Kak, alors elles sont fatiguées, elles ont beaucoup défendu. Derrière, on n'est plus au contact. On n'est pas là pour couvrir. Le petit coup d'œil de Diani, sa qualité de passe. Melchie Dumornay qui vient bien fermer de son deuxième poteau vers le but. Ouais, elles ont cette capacité.